Nous l'avons initié, c'est la société civile qui l'a initié, mais très rapidement, les économistes, les plus gros économistes africains ont rejoint ce front parce qu'ils ont compris la nécessité d'être dans cette démarche de souverainisme monétaire. L'un des premiers éléments qu'on pourrait donner en guise d'effet pervers du franc CFA, c'est l'effet direct qu'il a sur le commerce intra-africain. Pendant très longtemps, l'argumentation qui était donnée pour dire qu'au moins le franc CFA favorise l'intégration africaine, favorise le commerce africain, n'a jamais été questionnée, n'a jamais été débattue, n'a jamais été combattue. Or, les chiffres que nous avons officiellement en 2017, et ce sont les chiffres que, notamment, qui sont relayés par le professeur Mamadou Koulibaly ou le professeur Nicolas Agbogou, tous membres du front anti-CFA que nous avons initié, c'est que 15% du commerce intra-africain, il n'y a que 15% du moins grâce au franc CFA, de commerce intra-africain qui est effectué, alors qu'on nous a annoncé pendant un certain nombre d'années que le franc CFA favorisait l'intégration et favorisait le commerce intra-africain. C'est-à-dire que ce franc CFA favorise beaucoup plus les forces et les entités exogènes que les entités endogènes. Nous autres Africains dans une même zone, franc CFA normalement, si cette zone était censée faciliter le commerce, faciliter une fluidité de l'économie, nous devrions être normalement à 90%, 95%, voire 100% de commerce intra-africain. Ce n'est pas le cas. 15% à peine de ce commerce-là, africain, intra-africain, est présent. C'est quelque chose sur lequel j'aimerais que chacun d'entre nous puisse s'interroger. Deuxième élément qui me paraît extrêmement important, on dit que normalement l'économie doit être un outil permettant de favoriser le développement humain ou de mesurer le développement humain. Les pays de la zone franc sont parmi les pays qui connaissent le plus faible taux de développement humain. Tout le monde le sait. Depuis 1946, 26 décembre 1946, date à laquelle le franc CFA a été instauré, nos économies n'étaient peut-être pas bonnes avant puisque nous étions sous la colonisation, mais sous le giron du franc CFA, nous avons empiré notre situation de telle sorte que je n'ai pas peur de dire qu'aujourd'hui, à une époque où l'Afrique étant censée être libre, elle est plus pauvre aujourd'hui durant ce néocolonialisme qu'elle l'était à l'époque de la dite colonisation. Ce qui sous-entend que quand on parle de colonialisme qui serait terminé, toute personne dotée de raison sait que nous n'avons jamais été autant colonisés qu'aujourd'hui, et le franc CFA est le plus grand vestige de cet impérialisme-là, raison pour laquelle nous voulons l'abattre. Voilà la réponse que je peux donner à ta question. Durant la période de l'esclavage, il y avait, et il y aura toujours, il y a eu, il y a et il y aura toujours deux types d'esclaves. Je suis convaincu que toi et moi, on sera d'accord sur ce terrain-là, comme sur bon nombre d'autres. Ceux qui vivaient sous la plantation disaient que la plantation, on peut se plaindre des coups de fouet du maître, mais on a à manger le matin, le midi et le soir. On peut se plaindre des coups de fouet du maître, mais on a un lit pour dormir. Quand il pleut, nous sommes à l'abri. Quand il neige, nous sommes à l'abri. Le maître peut être méchant. Le maître peut violer femmes et enfants. Mais nous avons à manger et nous n'avons pas à nous inquiéter de notre lendemain parce que nous saurons où nous dormirons. C'est ce qu'ils appelaient la stabilité. Et il y avait les nègres marrons, des sanclaristes avant l'heure, ou des burkinabés avant l'heure, qui disaient que peut-être l'avenir est instable si nous décidons de quitter la plantation. Mais mieux vaut la liberté dans l'incertitude que la stabilité dans l'oppression. Raison pour laquelle nous disons que toute personne, et tu as raison frère, ce n'est pas à toi, il faut bien qu'on se comprenne, ce n'est pas toi que à qui je réponds quand je soulève ces problématiques, mais ce sont les chefs d'État qui disent que la situation est trop instable, que si nous quittons le franc CFA, nous risquons d'être en danger. Mais ce sont des gens qui ont tellement été habitués à normaliser le fait de se faire fouetter que pour eux, se faire fouetter est la norme. Et cesser de se faire fouetter pour connaître le risque de la liberté, pour eux, est le danger. Nous leur disons ce qui est l'adage de notre ONG Urgence panafricaniste, ce que les élites africaines ne se font pas pour le peuple le fera lui-même. Elle aussi, comme les deux autres en réalité, est-ce que nous ne sommes pas parfois trop radicaux dans ce combat contre le néocolonialisme, dans ce combat contre l'impérialisme pour lequel certaines personnes payées par l'Occident, certains frères et sœurs payés par l'Occident, parce qu'il faut le dire aussi, n'hésitent pas à nous taxer parfois d'extrémistes. Nous disons que quand nous voyons notre peuple se faire violer, être radicalement opposé au viol, ce n'est pas de la violence, c'est de l'intelligence. Voilà la réponse que nous avons. Et il serait peut-être temps
quand nous voyons tous les dirigeants qui ont décidé de collaborer avec la France-Afrique, d'être un petit peu plus radicalement opposés à la manière dont les choses se font. Nous sommes une nouvelle génération. Nous avons vu nos parents souffrir. Nous avons entendu nos grands-parents souffrir. Nous avons vu nos frères et sœurs aux Caraïbes être déportés et souffrir aussi. Dire cela ne signifie pas que nous sommes anti-blancs. Nous sommes simplement anti-oppression. Et les vrais Occidentaux dotés de raison sont ceux qui nous soutiennent, et il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. La plupart des Occidentaux qui nous combattent sont ceux qui ont quelque chose à se reprocher, parce qu'ils savent très bien que si nous voulons un monde égalitaire, ceux qui vivent de privilèges finiront par les perdre. Mais ces gens-là, ça ne nous dérange pas qu'ils nous diabolisent, parce que nous ne sommes décidément pas dans le même camp, clairement et simplement. Voilà ma réponse. Nous pensons que la tradition est le rameau, et c'est ce que je dis dans mon ouvrage, Black Nihilisme, Résistance africaine au mondialisme et retour à la tradition primordiale. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il est fondamentalement nécessaire que la tradition, quand on vient voir le chef traditionnel ici, le Moro Naba, pour nous c'est une fierté. Et avant d'aller voir quelconque autorité politique, la première autorité que nous voulions voir en venant ici, c'était le chef traditionnel. Parce que c'est comme ça que l'Afrique du XXIe siècle se doit être. Elle se doit de respecter ceux qui sont les garants de la tradition. Mais cela ne doit pas nous pousser à tomber dans l'obscurantisme. Certains trouvent de la force dans la religion dans laquelle ils sont. Tant qu'ils ne renient pas la tradition, et c'est ce que nous avons vu. Lorsque nous sommes partis voir le chef traditionnel, nous avons vu des gens qui étaient musulmans, des gens qui étaient chrétiens, et qui attendaient les larmes aux yeux de rencontrer le Moro Naba. Cela signifie que malgré toutes les pénétrations spirituelles, considérées comme exogènes, à tort ou à raison, là n'est même pas la question, l'Africain, de manière intrinsèque dans son ADN spirituel, n'oublie pas que le centre de gravité de son identité, c'est la tradition. C'est le sol le plus riche et le sol qui est le sol africain. Le monde entier le sait. Mais nous faisons semblant, nous autres Africains, de l'oublier. Il y a un adage qui dit que l'Africain agit tel un aveugle, assis sur un banc en or massif. Et il fait la manche. Il fait la manche à des gens qui n'ont pas son banc en or massif, qui prennent progressivement des parties de son banc, qui lui donnent des miettes de son propre banc. L'Africain est assis à ce niveau et au fur et à mesure, il diminue. Jusqu'à ce qu'il finisse par se répartir. Cela veut dire que il ne faut jamais, mon cher frère, que nous soyons dans une démarche de minorer notre force ou notre capacité de production, elle est présente. Mais nous ne la valorisons pas parce que justement l'instrument monétaire qu'est le franc CFA favorise le commerce avec ceux qui contrôlent l'économie. Et ceux qui contrôlent notre économie, qui contrôlent notre monnaie, vont forcément nous importer ou du moins exporter leurs produits chez nous. De telle sorte que nous serons confrontés à leurs produits en priorité et que nous délaisserons notre propre production. C'est ce pourquoi Sankara a été assassiné. Donc ne jouons pas des personnes qui ferions preuve de perte de mémoire systémique. Rappelons-nous politiquement ce pourquoi nos aînés sont morts au combat. Ils sont morts pour que nous puissions nous réapproprier notre production. Et pour nous réapproprier notre production, il faut que nous soyons dans une démarche de favoriser une économie qui sera contrôlée, gérée par nous. C'est le premier point. Le deuxième point de ta question, gouvernance. C'est une question de fond que tu poses aussi. Mais si tu connais notre discours, nous faisons partie des plus virulents critiques de la malgouvernance qui existe non pas dans les pays seulement de la zone franc, mais dans le continent africain de manière générale. Mais il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Parce que ça risque de virer aussi au masochisme. La nouvelle stratégie, je vous l'ai dit tout à l'heure, lors de la séance des questions-réponses avec les médias, la nouvelle stratégie de l'apparatisme, ce n'est plus d'être violent vis-à-vis de nous. C'est de se présenter en ami de nous autres. De créer une pléthore d'organisations gouvernementales ou de structures prêtes à nous financer et de déclarer que le combat à mener est le combat pour la bonne gouvernance. Mais pour qu'il y ait bonne gouvernance, il faut que la corruption cesse. Il faut que le corrupteur cesse. Parce que pour qu'il y ait des corrompus, il faut qu'il y ait un corrupteur. Vrai ou faux? Mais si le corrupteur
vous dit « Je vous soutiens pour votre combat pour la bonne gouvernance, mais dans le même temps, contribue à financer les corrompus contre lesquels vous vous battez à la tête de nos États. » Cela correspond au schéma du serpent qui se mord la queue. L'impérialisme a tout intérêt à ce qu'on passe notre temps à ne voir que la poudre dans nos yeux, mais qu'on ne regarde pas les exactions que lui commet. Et c'est pour ça que nous encourageons la nouvelle génération africaine à avoir une démarche d'analyse structurelle bicéphale, une critique endogène de notre façon de gouverner. Et quand je dis gouverner, je ne parle pas simplement de nos dirigeants, mais nous aussi, parce que nous sommes les gouverneurs de notre propre destin. Et de l'autre côté, une façon aussi d'analyser, et nous encourageons la jeunesse africaine à le faire, la manière dont les nouvelles formes de prédation coloniale sont en train de s'insérer, de zigzaguer à l'intérieur de nos sociétés civiles. Et on l'a vu. Je ne citerai pas de nom parce que je n'aime pas être dans les attaques ad hominem. Je m'attaque à des idées. Je m'attaque à des principes. Quand je parle de l'Afrique, les autres, je peux citer les noms. Mais jusqu'à preuve du contraire, dans différentes révolutions qu'il y a eu sur le continent africain, certains au départ étaient là pour renverser un système. Ils ont renversé un homme, mais malheureusement le système a perduré. Et je vais aller plus loin, je ne parle pas forcément du Burkina. Peut-être, ce n'est pas tant le sujet principal. Mais certaines figures, certains activistes qui ont participé, notamment au Sénégal, à faire tomber le président qui était dans une démarche de gabegie politique, Abdoulaye Ouad, ont par la suite répondu aux sirènes de l'impérialisme moderne, qui leur a proposé de gros financements extrêmement juteux en l'échange d'une nouvelle reprogrammation politique qui était de se préoccuper uniquement de la bonne gouvernance. Mais la bonne gouvernance, selon quel principe? Nous devons être capables de redéfinir ce que nous entendons nous-mêmes aussi par bonne gouvernance. Lorsque Kadhafi a été assassiné, ceux qui l'ont fait assassiner ont dit qu'il n'était pas dans la bonne gouvernance, que c'était un tyran, que c'était un dictateur. Est-ce que ces termes sont en harmonie avec la réalité de nous-mêmes qui est censée être la nôtre de manière endogène? Nous devons aussi nous poser des questions. Les plus bas loyers en Afrique étaient où? En Libye. On ne le dit pas assez. L'assurance maladie était où en Afrique? La mieux installée. En Libye. On ne le dit pas assez. Donc le concept de bonne gouvernance doit être défini par nous-mêmes, par vous-même, pas par l'extérieur, c'est le premier point. Et le deuxième point, la démarche de bonne gouvernance ne doit jamais empêcher. Un petit peu comme un vigile qui est censé protéger une maison. Celui qui protège une maison regarde ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Mais il doit être aussi capable de voir les maux ou les dangers qui s'approchent de cette maison et qui seront prêts à la faire exploser. Dieu nous a donné deux yeux pour regarder à l'intérieur et pour regarder aussi à l'extérieur. N'oubliez jamais cette réalité-là. Donc aucun facteur ne doit en effacer un autre. Oui, nous devons être pour l'autodétermination. Oui, nous devons être pour la bonne gouvernance. Mais la bonne gouvernance des nôtres ne doit pas empêcher de surveiller la manière dont les autres veulent se servir de nos matières premières aussi. La preuve en est, Thomas Sankara voulait la bonne gouvernance. Il a fait la bonne gouvernance. Ça ne l'a pas empêché que l'impérialisme l'assassine. Raison pour laquelle on doit regarder des deux côtés pour être sûr de pouvoir tenir. Voilà ma réponse à ta question très importante.